Monsieur Richman, pourquoi le Conseil fédéral a décidé de réduire le taux de rétribution pour les installations photovoltaïques? Oui, l'OVEN observe régulièrement le marché photovoltaïque et on a observé que les prix des nouvelles installations photovoltaïques ont diminué. Et c'est pourquoi on doit maintenant aussi changer les taux de rétribution. De combien sera cette diminution? La diminution sera de 7 à 14% dépendant de la grandeur de l'installation. Et cette baisse, comment elle va se dérouler? On va faire la diminution en deux étapes. La première en avril 2016 et la seconde en 1er octobre 2016. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour les personnes? Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui sont actuellement déjà sur la liste d'attente? Pour ces personnes, rien ne changera. Alors, il faut toujours attendre régulièrement plusieurs années jusqu'à ce qu'on reçoive la rétribution au prix coûtant. Et c'est pourquoi on recommande aux installateurs des petites installations photovoltaïques jusqu'à 30 kW puissance de prendre la rétribution unique. En la rétribution unique, on recevra quelques mois après qu'on a mis en service à l'installation et après qu'on a fourni tous les documents complets à Swissgrid. Et la rétribution unique, est-ce qu'elle change la valeur? Non, on ne va pas changer la hauteur de la rétribution unique. Ça reste comme aujourd'hui.